Gabrielle Morière, la première truite. Ignorant des difficultés de la pêche à la truite, un jeune citadin apprend à les connaître et à les vaincre aux côtés d'un petit paysan qui l'emmène avec lui au long d'une agréable rivière, la Barbuise. Un grand événement de ce temps-là, ce fut la prise de ma première truite. La Barbuise est pleine d'herbes en été, de cressons, de berles qui laissent entre elles des espaces libres où l'eau est tellement limpide que, sans le frissonnement de la surface, on ne soupçonnerait pas sa présence. C'est là qu'on aperçoit par moments une truite immobile, ponctuée de rouge et dont la queue vibre à peine. « Un poisson, un poisson ! Si on essayait de le prendre !»« Tu peux toujours y aller, maintenant qu'elle t'a vu. Il faut se cacher et puis y avoir une bonne Florence et un hameçon numéro 12. » Je reconnus à ces mots qu'il y avait bien des mystères dans la pêche. Mon ami les savait. Cette tête frisée renfermait une immense science rustique. « Oh, tu m'apprendras alors !» Nous revînmes au parc dans ce but. Ce n'est peut-être pas tout à fait permis ici. Il y a le vieux Hilaire qui pourrait grogner. Alexis regarda les fenêtres closes du château. Il était si muet, si fermé, que cela nous rassura. « Attention, il ne faut pas être vu. Tout est là. Si la truite t'aperçoit, tu peux lui passer la morse sous le nez et elle ne mordra pas. » Alors, arrivé à 5 ou 6 mètres du bord, la voilà à plat ventre. Il faut s'infiltrer. Moi, je m'infiltrais comme lui, marchant sur les coudes, ainsi que les poilus. Par moments, m'efforçant d'onduler comme un serpent et me figurant que j'en étais un. Arrivé à 6 pieds de la rive, la tête dans les herbes, sans même voir l'eau, il prit sa ligne. Une sauterelle légèrement piquée sautillait au bout. Il lança le fil. J'en fis autant. Mon amorce n'était pas dans l'eau que, vlouf, j'entends un formidable saut et ma gaule tirée violemment s'abat dans les herbes. « Raté !» fit une voix moqueuse. « Qu'est-ce que c'est ? Une truite, pardi ! Il ne faut pas lui laisser le temps de souffler l'amorce. On le faire tout de suite ? Oh, inutile de recommencer, elle ne reviendra pas. » J'étais honteux et colère de ma maladresse et je craignais qu'Alexis fût fâché. « Allons plus loin, dit-il en jetant un coup d'œil circulaire. Nous recommençons dans un tournant tapis derrière les roseaux. « Sa mort » dis-je, à voix étouffée, le cœur battant. Mon fil se promenait à droite, à gauche, courbant le sillon. « Tire, tire !» dit Alexis, « ne lui laisse pas faire ce qu'elle veut. » Je tirai, un clapotis violent, un éclair de lumière, et au bout de mon fil se tordait un poisson étincelant. Mais j'avais ferré si fort que ma ligne avait sauté dans les branches. La truite restait pendue à un arbre et gigotait. J'allais grimper pour l'atteindre quand elle se décrocha et tomba dans l'herbe. « Ah, elle est partie !» m'écriai-je d'un air navré. « Pas de danger !» J'écartai les herbes. Une magnifique truite était là, luisante, non point couchée sur le côté, mais sur le ventre, comme si elle savait nager dans les herbes humides.